Yo la piraterie, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour deux gameplays d'un runner absolument incroyable qui va être Oden Kozuki évidemment. Et donc, comme j'avais déjà dit, ça va être le runner des 5-0. Donc, bah voilà, on va aller voir ça justement. À quel point il va falloir le surveiller ce runner et s'en occuper. Allez, c'est parti. Donc, on va voir à quel point Oden va pouvoir être redoutable hein, sur Drum. On va être sur des puissances d'équipe équilibrées, donc c'est plutôt une bonne chose, encore une fois, hein, même s'il va y avoir des joueurs assez low, si on pourrait dire. Il va quand même y avoir deux barbes noires, hein, c'est pas une bonne nouvelle pour Oden. Je vais décider de claquer le skill directement, hein, histoire d'avoir un maximum d'avance, hein, même si je sais que de toute évidence, je serai quand même premier. Les petites attaques basiques pour avancer un petit peu plus vite, évidemment. Et donc voilà, ce petit timing va me permettre de ne pas être vulnérable après avoir capturé le trésor et de pouvoir aller chercher directement voilà, dans la base ennemie. Sur Drum, c'est très facile d'aller chercher ce trésor. Donc malheureusement, voilà, je vais me faire cancel de la zone. C'est l'eau qui est venu défendre juste à temps. Mais voilà, Oden va être très rapide pour pouvoir aller d'un trésor à un autre. Et donc voilà, je vais pouvoir capturer très rapidement celui-là. On est déjà sur le 4-1. Donc je vais pas chercher plus à combattre que ça, voilà, hein, et puis je vais continuer à essayer d'aller chercher des trésors. Le barbe noire, je vais le troller un petit peu, ça sert à rien d'aller au combat, je lui fais croire que je vais aller là-bas pour le faire retourner dans le fight, hein, tout simplement, au lieu de perdre du temps. Et finalement, je vais revenir, voilà, hein, pour capturer ce petit trésor. Et il m'a totalement ignoré, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis, bah, c'est pour ça que des fois, même quitte à rester dans une zone de trésor et ne rien faire, hein, tout simplement, eh bien ça va tout simplement dissuader l'ennemi de pouvoir y aller. Et donc maintenant je vais pouvoir revenir, hop, rush sur ce petit tas de trésors. On arrive déjà sur le 5-0, hein. On va presque l'atteindre. Malheureusement, je vais pas être assez, si je vais être assez rapide sur la défense, mais ils vont quand même réussir à, voilà, la double vague du chance qui voulait absolument me tuer mais qui n'a pas réussi. Et donc voilà, regarde, ce skill va être extrêmement important, hein, pour aller projeter les ennemis des zones de trésor, récupérer le trésor très rapidement. Et donc voilà, hein, maintenant pour défendre c'est tranquille, il n'y a pas de souci. En plus les alliés sont ici, donc ça va être un petit 5-0 qui va se finir sans trop de problèmes. J'ai laissé l'ennemi monter là-haut parce que je savais que en termes de timing il fallait mieux défendre ce trésor là plutôt qu'essayer d'aller défendre là-haut. Et donc voilà, un petit 5-0 assez rapide. On va faire un petit tour des teams. En plus 5-0 avec petit 5 captures, c'est pas mal. Et il va y avoir, à part deux petits joueurs qui vont être un petit peu courts, les autres joueurs vont être assez corrects. Et une petite série de victoires. Alors du coup, dans ce cas présent, je vais choisir d'opter pour un Oden plutôt, parce que ben, on n'avait aucun runner dans notre équipe. Donc il allait falloir absolument un potentiel de capture. Et donc j'avais pas le choix que de choisir Oden. Ça allait être la meilleure option pour l'équipe. Donc je vais avoir bien fait parce que ça va être une partie assez rapide. Alors je vais pas perdre de temps, je vais dash direct, hein. Des fois dans ce genre de situation, ça pourrait être plus intéressant d'y aller sans dash s'il y avait un Oden en face. Mais comme il n'y a pas de Oden, ça me permet de donner le petit bonus de vitesse à mes alliés qui va leur permettre de venir plus rapidement dans le fight. Et comme ça, m'éviter d'avoir à défendre et perdre des PV inutilement. Parce que c'est pas mon boulot de défendre, je suis supposé capturer les trésors, saisir les opportunités. Donc là, la petite projection sur le Roger qui est pas passée, malheureusement, il y a eu un petit bug d'animation ou de latence, je sais pas trop. Enfin, ça arrive, n'empêche que voilà, on va quand même gentiment essayer de survivre sans prendre trop de risques, essayer de trouver les ouvertures. Donc maintenant, là, je vois que le Barbe Noire débarque, je vais faire quand même gaffe. Je vais m'occuper de ce petit Roger. Maintenant que Barbe Noire est occupé par Kiku, Roger à terre, je vais pouvoir aller me diriger vers le trésor. Encore une fois, le petit sort va pas être évident à placer et donc il va être fail sur le lot. Et je vais tout de même aller me diriger vers ce tas de trésors, hein. Donc malheureusement pour le Luffy, il vient de claquer son sort, donc il a plus de sort à distance, donc il peut plus me cancel de la zone, donc c'est parfait. Et il va attendre patiemment que je capture ce petit trésor. Et donc voilà, là on est déjà sur le 5-0. Et donc il y a plus qu'à défendre gentiment, hein, ça va pas être compliqué avec Oden, hein. J'ai dash pour m'extirper de cette zone et revenir le plus rapidement possible, et donc après passer le relais à mes alliés qui vont pouvoir défendre ce petit tas de trésors et terminer cette partie extrêmement rapide sur un 5-0. Donc très très jolie partie avec Oden et seulement deux tas de trésors capturés. Donc il suffit juste de bien choisir ses décisions au moment stratégique, tout simplement. Et une jolie victoire encore.
Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Rejoins-nous sur le Discord si tu veux partager sur le jeu avec d'autres membres de la communauté Bounty Rush. À demain à 14h, la piraterie.